Yann, vous êtes avec moi? Oui. Donc, Oui. voilà, on continue. Je vais répéter. On a deux groupes de papillons. Chaque groupe contient six papillons. Donc, j'ai écrit deux groupes. J'ai, c'est-à-dire groupe qui contient six papillons. Si je veux trouver le nombre total, j'écris 6 plus 6 égale à 12. Si je ne veux pas écrire une addition, je veux écrire seulement une multiplication. J'écris le nombre de groupes qui est 2 et le nombre de papillons dans chaque groupe qui est 6. C'est une multiplication. Je l'appelle multiplication. Donne la même réponse qui est 12. D'accord, Karim, ça va? Karim, Oui, yeah. oui. On continue. Nadira, combien de groupes on a? D'un groupe. On a deux groupes. C'est le premier groupe et c'est le deuxième. Donc, on a deux groupes. Dans chaque groupe, combien de rectangles on a dans chaque groupe? Six. Quoi? Six. Six, très bien. On a deux groupes, dans chaque groupe, il y a six. Taïb, dis-moi, Yanadira, quel est le nombre total des rectangles dans les deux groupes? Oui, quel est le nombre total? On a 6 dans le premier et 6 dans le deuxième. Donc, qu'est-ce que je fais pour trouver le nombre total de rectangles? 6 plus 6 égale 12. Eh bien, Yanadira, donc j'ai créé première méthode 6 plus 6 égale à 12. Type. On a déjà appris une autre méthode pour trouver le nombre total des rectangles en utilisant la multiplication. Quelle est la multiplication ici, Anadira? On a deux groupes de six rectangles. Donc, quelle est la multiplication ici? D'un groupe. Deux. J'écris deux, le nombre de groupes. Faites attention, Yam Hamad. Deux groupes, donc j'écris deux fois six papillons. Voici. Donc six papillons est égal à 12. Douze. On a compris. Hamad, tu as compris. Oui. Karim. Oui. Et elle écrivait cet exemple sur une feuille, hein, sur le cahier de maths. Oui, j'écris. Oui, j'écris. Très bien. Et là, Mohamed, écrit. Mais moi, j'ai écrit ça. Très bien. Bravo. Elle a écrit encore cet exemple. Oui.
Yala, on a terminé. Non. Yala, facile. J'ai fini. Je suis fini, et moi? Bien, d'accord. Karim, tu as terminé? Karim? Oui. Yala, oui. On continue. Yala, ya Mohamed, c'est ton tour. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quand même de l'octobre. Yala, elle travaille maintenant. Des poissons. Des poissons. Combien de groupes on a, ya Mohamed? Deux. On a deux groupes. Donc, on écrit deux G, c'est-à-dire groupe. Flèche. Et elle a dit, moi, ya Mohamed, dans chaque groupe, il y a combien de poissons? Sept. Sept. Quoi? Sept. Quoi? Sept. Sept. Très bien. Donc, on a deux groupes de sept poissons. Deux groupes qui contiennent sept poissons. Taïb, quel est le nombre total de poissons? Ici, il y a sept poissons et ici, il y a sept poissons. Quel est le nombre total? 14. Et qu'est-ce que tu as fait pour trouver le 14? Mais 7 plus 7, 14. Oh, excellent, ya Mohamed, bravo. 7 plus 7 est égal à 14. Taïb, donne-moi une autre méthode pour trouver le 14 en utilisant le foie. On l'appelle foie. Oui? 2 fois 7 égale à 14. Mohamed, bravo. 2 fois 7 est égal à 14. Très bien. Yala, écrivez. Qui n'a pas compris? Miss Anna. Tu n'as pas compris? Mais pas moi. Miss Anna. Tu n'as pas compris? Pas moi. Pas moi. Ça va. Mais j'ai fini. J'ai fini. Et là, j'ai TikTok que j'ai. MS. Moi aussi, j'ai fini. Montre-moi. Ça va. Bien. Oui, Nadira, bravo. On continue. Karim, ça va? Oui. Yala ya Karim, c'est ton tour. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ici? Combien de groupes? Combien de groupes? Deux. Donc, on a deux groupes.
Chaque groupe contient combien? Dans chaque groupe, combien de rangs il y a, Makhalam? Oui. Bravo, Karim. Très bien. Donc, il y a 8 dans chaque groupe. Voilà, oui. Karim. Donne-moi le nombre total des visages. انت في الجروب شو قلتي له مدام؟ le nombre total de visages dans les deux groupes. كم النمبر total de visages؟ كم النمبر total؟ يعني en tout. le nombre total يعني tous les rangs. combien؟ يعني qu'est-ce qu'on fait plus ou moins؟ oui. يعني on fait. Donc, ici, il y a 8 et ici, il y a 8. Quel est le nombre total des visages dans les deux groupes? 7. Je dis le nombre. Oui, oui. Je dis, qu'est-ce que tu fais, Yannick? Yannick a dit? 7. Oui. Je suis 7. Égal 7. Bravo, Karine. Donc, 8 plus 8, c'est la première méthode. Égal 16. Taïb, Karim, si je veux utiliser la multiplication, c'est-à-dire le signe fois, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je veux mettre le signe fois? Le fois. Anna, je vais te mettre en. Mais nous avons deux groupes. Deux groupes de 8. Donc, quelle est la multiplication? 8 égale. Très bien. Donc, 2 fois 8 est égal 16 encore. Bravo, Karim. Elle a écrivait. 2 fois 8. Vraiment. Je termine. Bravo. Tu as compris, Anadira? Oui. Karim, tu as compris maintenant? Oui. Mohamed, tu as compris? Oui. Ça va? Yeah.